grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. De la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître et notre Rédempteur. C'est avec un réel plaisir nous saluer, quel que soit à côté où il est, ou à côté nous, ou à garder nous, au nom de Jésus-Christ, lui-même qui était là hier, qui l'a jodi an, et qui est là pour tout temps, gain temps. Encore, c'est une autre émission, mesdames, messieurs, frères et sœurs, dans le Christ, amis auditeurs, amis internautes, amis téléspectateurs, comme nous dit, c'est une autre émission, moment du salut, qui arrive joint nous, et nous dit, c'est par la grâce de Dieu. Émission provenant de la première église baptiste, haïtienne de Boston, église qui est située dans 397 Blue Hill Ave dans Dorchester. Donc, émission Moment du Salut, c'est une émission qui est placée sous dictée. Saint-Esprit, c'est l'équipe by l'ordre qui ça, qui pour faire là-dedans. C'est peut-être ça, nous parler les lions. Émission Moment d'études bibliques, nous pas relé li yon émission de prédication, nous pas relé li yon émission de prière, mais en tant que serviteur, esclave et du maître, nous placer pour nous recevoir l'ordre pour nous faire exactement ça, Saint-Esprit. Bon Dieu, mandé pour nous faire la dalle. Encore, yon l'autre fois, nous remercier bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Bon Dieu Papa, petit lan, ak Saint-Esprit, qui bat nous le mouvement, l'être et la respiration qui permettent que nous capables avec vous, jodi an, qui c'est mardi 23 juillet dans l'année 2019. Avant même que nous on prié, donc nous dédier émission ça à notre Dieu, nous faire pour la gloire de Dieu, non pour la gloire des hommes, non pour la gloire de nous-mêmes, de nos techniciens, de nos frères et sœurs. Mais maintenant aussi que nous avons salué encore, baissé chapeau bas devant bon Dieu qui a tout pouvoir et devant vous-même, frères et sœurs dans la foi, auditeurs, internautes, téléspectateurs, qui capable prend temps pour capable garder nous, pour capable tendez-nous. Nous les profiter occasion ça pour nous capables saluer quelques bien-aimés. Et nous connaît mois de juillet qui c'est un mois spécial pour eux-mêmes. Nous saluer la sœur Rose-Laure. Nous quoi jeudi en même 23 juillet. Bon Dieu accordé Lyon un nouveau printemps, donc n'a prié pour bon Dieu continuer jeter grâce li ak bénédiction là sous sœur Rose-Laure, donc qui travaille arrache pied bon côté nous dans le ministère de la première église baptiste haïtienne de Boston. Nous aussi saluer frère Pierre qui c'est un autre collaborateur yon infatigable qui nan hier ou avant hier ou ben nan jou k'ap vin la yo mois de juillet c'est moi Pali, donc c'est moi épouse li tout sœur Anne qui au début de juillet t'ap fêté yon nouveau printemps et donc tout l'autre bien-aimé que nous pas retenu nous pas gen liste bien-aimé ou qui t'est avancé chaque premier dimanche
Nous fait prière pour les gens qui fêtent dans moi. Tout membre, faible reste, tout membre de la première église baptiste haïtienne de Boston. Moi, pas qu'un bénon, yon en tête, moi. Mais depuis où c'est membre de la première église, et sous ces membres spécialement, faible reste là. Donc, moi, saluer ou dans le moment que vous avez fêté dans le mois de juillet, hein, yon nouveau printemps. Et nous avons salué. Il y a l'autre monde qui est cher spécial à nous-mêmes, c'est notre chère épouse, la sœur Emania Cordichon, qui a fêté le birthday, anniversaire de naissance, dans le mois de juillet, mais qui a fêté dans le mois de juillet, c'est anniversaire de mariage, moi-même avec lui. Et c'est demain, si Dieu veut, 24 juillet 2018. 24 juillet, et 24 juillet 98, I'm sorry. 24 juillet 98, 1998. Et 24 juillet 2019. Dans en 2 ou 3 heures de temps, elle va faire minuit exactement. Ça va le faire nous 21 années de mariage. Donc, c'est une grâce que bon Dieu fait nous. Et nous saluer notre frère, pasteur Emmanuel Cordichon de l'Église évangélique de la Trinité et qui a fêté tout. Car c'est même jour, mariage moi-même avec lui, t'es célébré dans la première Église baptiste haïtienne de la Scarbas, Haïti. Donc, encore l'autre fois, mes frères, moi, avec nous, par la grâce de Dieu, nous invitons à prendre l'Évangile au sérieux, prendre Jésus-Christ au sérieux. Donc, bon Dieu, gagne une surprise. Bon Dieu, gagne un gros bagage. Il est capable de faire l'air ou humilier ou devant l'. Le ou marcher dans sincérité de cœur avec lui, li capable élever au dans moment convenable et nous toujours dit li n'a vivant dans un dernier temps, c'est pas moment pour nous jouer encore. Y a un temps pour jouer, y a un temps pour prendre les choses au sérieux. Donc nous invitons vous mes frères à prendre décision pour marcher tout bon vrai avec bon Dieu pour ne pas faire bagay sous forme, pour ne pas faire bagay sous programme, mais bah programmer, mais n'a quitté pour bon Dieu prend la vie nous, pour le prendre que nous et pour vivre nous rester une vie qui sous la dictée du Saint-Esprit comme l'apôtre des nations, l'apôtre Paul toujours identifié tête li dans chaque lettre que lui écrit pour le dire moi Paul serviteur de Jésus-Christ. Nous toujours expliqué où thème grec qui ça qui traduit serviteur c'est doulos qui signifie esclave. Ça veut dire Paul malgré et niveau intellectuel lui mais le considérer lui comme un esclave qui pas une volonté qui dépend de maître lui de Jésus-Christ. Et qui pour dire ça pour le fait, pas ça l'homme dit le fait, mais il voulait faire la volonté de Dieu. Malheureusement, je dis en Satan, croisé pied dans nos églises, il croisé pied, donc il mettait des hommes, des mercenaires, des hommes qui pas appelés, et des hommes qui a réglé à faire payo, yo, dans le pastorat, yo, dans l'école dimanche, yo, dans toute activité. Mais il va gagner appel et il veut conduire le peuple de Dieu et il a pas mené l'église chrétienne dans désordre, dans chaos, dans trouble. Et nous va prier pour mentionner ça yo pour connaître que si bon Dieu parle yo et il mettait en position côté c'est mon bon Dieu relé qui doit en position hein. Donc c'est une malédiction que yo a attiré sous la vie. En nous baisser tête nous
quel que soit côté où y est, si vous conduisez, moi pas mando pour baisser tête tout ni pour fermer les yeux, mais si vous la caillou, si vous chita, c'est chita ou parqué dans voiture, vous capable prendre une attitude de prière ensemble avec nous pendant que nous pral implorer la grâce de Dieu par la prière. Bon et tendre Père céleste, en Jésus le Christ, notre Sauveur, notre Roi, notre Divin Maître, n'a approché de vous-même dans moment ça pour dire merci, pour grâce ou pour bonté ou pour amour envers nous. Nous vous remercions Seigneur pour le sang versé de Jésus-Christ. Nous vous remercions pour le sacrifice de la croix. Nous vous remercions pour Gethsémané. Merci Seigneur pour toute matière que vous avez recevoir, toute souffrance que vous endurez, tout coup que vous avez barou, éternel Dieu Tout-Puissant, vous êtes devenu martyr pour nous-mêmes. Nous vous remercions et nous demandons pardon pour péché nous, pas entrer en jugement avec nous, mais gardez-nous dans la miséricorde. Mais mission, moment du salut, qui permet que nous, avec techniciens, nous sommes capables de présenter côté peuple ouan, partout côté que y a à travers le monde, capables de gagner chance pour nous bénir à travers cette émission. Nous demandons, éternel Dieu, prend contrôle, pas permettre que nous capables de parler de par nous-mêmes, mais permettre que nous capables de parler sous la dictée de ton Saint-Esprit. Avec nous, Seigneur, garde-nous. C'est la grâce que nous te réclamons, non en guise des mérites, mais au nom et par les mérites infinis de ton Fils, Jésus-Christ, lui acquis, comme à Dieu Créateur et dans l'unité du Saint-Esprit, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence des avant tous les temps, des maintenant, et dans les siècles des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, après quelque temps, nous avons survolé l'épître aux Hébreux et que Dieu est l'auteur principal de ce livre. Auteur humain, nous pas qu'on aime. Semaine qui t'est passée, hein, nous t'es gardé avec ou danger qui gagnait dans la technologie. T'es parlé des bienfaits et les méfaits de la science qui est une arme à double tranchant. Même côté il gain bonté, mais il causait aussi un pile mal. Surtout téléphone portable, nous t'es bon en long et en détail, en long et en large. Nous t'es bon détail de comment il capable néfaste, préjudiciable pour les familles, pour l'église, pour les pasteurs, pour les missionnaires. Nous devons faire plus attention. À ce qu'il y a, sous dictée Saint-Esprit, hein, qui a conduit l'église li, dans la nouvelle alliance, là, nous avons fait un petit parler, nous avons battu bouche sous sujet ça nous juger qui d'importance capitale, c'est le retour de Jésus-Christ, sa deuxième venue, la deuxième venue
de Jésus-Christ. Mes frères, il y en a un bagage que m'abdou en partant. Chaque fois que vous parlez de retour prochain de Jésus-Christ, donc on est Jésus-Christ, t'es venu sur la terre, elle t'est faite dans une étable dans Bethléem, on parle de la première venue de Jésus-Christ. Donc on a les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont raconté la vie Seigneur. Hein? Commencé depuis même dans l'annonce qu'il pral fait, naissance li, présentation au temple, et baptême ni, ministère terrestre li, qui gagne prédication, qui gagne la prière, qui gagne un miracle là-dedans. Li. Il a parlé de passion, arrestation, crucifixion, la mort li sur la croix, ensevelissement li, enterrement li, et résurrection, montée dans le ciel et avec les promesses de son retour. Donc, dans l'Église qui travaille dans la nouvelle alliance, nouveau contrat, donc nous parlons souvent de retour, deuxième venue de Jésus-Christ. Il y a une première que la Bible bah tout détail comment il était fait comme un petit monde mais qui partit un petit monde comme ça et comme nous dit les évangiles yo parler jusqu'de naissance li jusque li monter dans ciel et avec les promesses de son retour côté il est venu en question la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Mais il y a un bagage, je voulais attirer l'attention, que le plus souvent nous prenons, nous faisons seul. Alors que nous pas seul, nous toujours prenons deuxième venue de Jésus-Christ et puis nous fait le faire un seul avec l'enlèvement de l'église et il y a un prédicateur qui pas même fait une différence qui pas fait séparation qui prend yo mettez ensemble yo fait un seul mais c'est deux événements différents qui gen pour arriver. C'est deux événements différents. Et c'est vers une période de 7 ans, 7 années, qu'ap séparé. L'enlèvement de l'Église par notre Seigneur Jésus-Christ a bien lieu avant le retour de Jésus-Christ sur la terre. Dans l'enlèvement de l'Église, mes frères, l'enlèvement des saints, Jésus-Christ vient pour paraître dans les airs, mais le pape mette pied sous la terre. Nous irons dans les airs bientôt à la rencontre du Christ immolé. Jésus-Christ vient pour paraître dans les airs. Et nous-mêmes, c'est dans les airs que nous gagnons pour aller rencontrer Jésus-Christ pour mener nous dans le ciel là. Et c'est dans une période de 7 années. Laisse à Jésus-Christ va faire deuxième venue
sur la terre, il va retourner et les sapiels va piler terre ça côté que nous-mêmes nous a vivre. C'est ça que fait ça que anglais a relé événement enlèvement comme rapture. Jésus a venu, Jesus is coming to rapture the church. Et ouais, rapture là c'est appelé en français c'est R A P T U E R, soit prononcé en français rapture. Mais en anglais c'est rapture the church. Enlever l'église qui va marquer un moment euphorique, c'est-à-dire un moment sensationnel à nul autre pareil, un moment de joie et un moment, mes frères, que peuple bon Dieu n'a pas de jambes vives depuis que yo ta vive. Donc, souhaitez que vous fassiez la différence entre l'enlèvement et la deuxième venue de Jésus-Christ. Parfois, nan parler dans le langage courant, nous faisons seul. Maintenant, on va regarder, mes frères, les textes de la Bible. Côté que la Bible confirmait la venue de Jésus-Christ. Il y a un texte qui a parlé de l'enlèvement et il y a un texte qui a parlé de deuxième venue hein, côté Jésus-Christ va mettre pied sous la terre. Soit allez dans 1 Corinthiens 11 verset 26. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire, Jésus-Christ a retourné. Donc, le moment n'a passé, je dis à ce moment, nous sommes capables d'où? Une mission eschatologique parce qu'elle a parlé des événements en fin qui vient pour venir. Et mes frères, si Jésus-Christ pas t'a retourné, il pas t'a prendre responsabilité pour faire grosse déclaration ça dans l'évangile selon Saint Jean côté il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit là pour retourner. Il était venu et là pour revenir encore. Jésus confirmait retourner par propre déclaration que lui fait. Et première déclaration que nous lire pour même dans Corinthiens, c'est toujours parole de Jésus qui demandait pour nous célébrer le repas du Seigneur, la Sainte Cène. Chaque fois que nous avons mangé pain, hein, nous avons boire du vin, hein, nous avons annoncé la mort. Et pour ça, nous mettons accent sur la mort parce que thème central l'évangile là même c'est la mort de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de notre c'est ça que l'évangile et nous explique que plusieurs fois apôtre Paul il décrit ça clair
dans 1 Corinthiens chapitre 15 que les théologiens baptisaient chapitre ça comme hymne de la résurrection. Apôtre Paul pral dit je vous exhorte donc frère, t'es malé dans Bible là, pour nous lire sans manquer. Je vous exhorte donc frère, m'pa vle ap lire dans tête moi, nous connaît pas ça là par cœur, mais t'es malé dans Bible là pour m'ouvrir Bible là avec vous. Je vous appelle frère, mais l'ap dou l'évangile là, l'ap défini le baou, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est mort d'abord. Deuxièmement, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Mais l'évangile, la mort, ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères, le retour ou la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre, c'est un sujet important pour nous-mêmes qui chrétiens, pour nous-mêmes qui sauvés. Là, nous parlons des chrétiens, nous parlons des gens qui sont habillés. Et chaque dimanche, mettez bel costume, bel rade, mettez fan en bouche. Talon qui quitte yon main longueur, le yon marche sous le sol là, donc building nan tremble, danse piafé, fè moun wè, bay belle parade, moun voye text message, compliment, rad la te belle, koto yon coiffure sa, ki stylist, ki fè cheve, et bah sa chrétien. C'est pas ça que les chrétiens. Hein? Chrétiens, c'est moun qui accepte Jésus et qui vivent. Il est possible pour chrétiens pour pas vivre selon Philippiens 2, selon la pensée de Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Christ, la pensée et penséant sont question d'abysme. Je dis à nous, mon yo, pigo profites passé yo, pas gagné. Pigo prédicateur passé yo, pas gagné. Là où chante voix, yo couvre toute l'église là. Mais soit contre yo dans la rue, pour ouais. Madame Sarah passé yo, pas gagné. Bouche yo dit n'importe qui parole. Yo voyez point en coup moun. Pas besoin de citer nom, mais c'est triste. Il va faire bib nan men le dimanche. Habillé tant coupant, pan son bel oiseau. Plusieurs couleurs, rad plusieurs couleurs. Et je dis en parfois pas fait différence entre chrétien qui régénéré avec moun qui habillé qui pral sodo nan mon camel dans la vieille miracle. Parfois, on n'a pas identifié Jean Bagayo dans le monde là, même tenu monde là, même tenu, parce que c'est diable qui a pas agi dans yo, même si on est dans l'église, parce qu'il y a des tenu ouais, ou apprendre est-ce que c'est dans Bizango moun sa pralé. Donc c'est pas ça qui chrétien, c'est mot chrétien seulement qui ouvre parenthèse, nous est entré dans toute bagay ça, nous est en prêcher là même. Nous va prêcher, n'a prêcher, n'a juste pas l'eau du retour de Jésus-Christ. Donc mes frères, nous, comme nous dit auteur Nouveau Testament yo parlé de retour de Jésus-Christ, yo estimé moun k'ap fè recherche, k'ap fè exégèse la Bible, chercheur yo
Nouveau Testament seulement parlait de retour plus que 300 fois. 300 fois. Et qui ça m'a dit pour comprendre moi à soi, ça me veut apprendre avant que nous dit toute l'autre bagaille sur la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Un seul bagage moi veut mettre dans tête ou en partant, c'est que elle est certaine. Son bagage véritable la fête il gain pour arriver parce que c'est Jésus-Christ même qui déclare il. Côté mes frères, amis auditeurs, Jésus comme nous gain temps ouel parler de propre retour. Jésus parlait de propre retour. Alors, on a pris Matthieu 24, verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Vous êtes capable d'aller aussi dans le texte que nous avons lu, Jean 14, verset 2 à 3, côté la Bible, qui est parole immuable et infaillible de Dieu. Confirmer la deuxième venue de Jésus-Christ. À côté de Jésus-Christ, mes frères, les anges aussi ont annoncé. Ange bon Dieu annoncé le retour de Jésus-Christ. Et si nous allons dans Actes chapitre 1er. Actes des apôtres. Chapitre 1er. Verset 10. Verset 11 que le docteur Luc, mon Dieu fait lui la grâce, il écrit livre ça dans Bible sacrée bon Dieu hein. N'appliquons ça. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vertus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges yo bay annonce là que Jésus-Christ a pour retourner. Jésus-Christ gen pour retourner. L'a gen pour descendre dans ciel là et pour transporter. Enlèvement, c'est transporter. Rapture, c'est une forme de transport. Transporter les enfants de Dieu de la terre pour aller rencontrer dans les airs ou bien dans l'air. Et si nous regardons le texte, tant que 1 Thessaloniciens, épître de Paul, aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. N'a li la Bible pour même, chapitre 4, verset 13 à 18. N'a li pour même. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet
de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ou même qui a souffri, précieux dans la foi, même qui a martyrisé, ou devenu un martyr pour la vérité, pour Jésus-Christ, consolez-vous. Bagayo, pas prêté comme ça. Car il faut que les choses changent à ce que bon Dieu promette que bagayo vient pour changer. Bagayo, yo pape, rete comme ça. Et si nous regardons encore, mes frères, texte 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à verset 53. 1 Corinthiens chapitre 15, 51 à 53. On va aller dans le livre là, qui sacré, hein, pour nous voir exactement ça, bon Dieu, gagne pour dire nous la donne. Verset 51 à 53. Lui dit comme ça. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. À dire, Jésus-Christ a vini dans le moment que a gen moun k'a vivant. Mais nous, c'est pas dans le temps que m vivant, et nous, c'est dans le temps que m vivant. Mais la gen pou retourner dans temps a gen moun, une génération qui vive sur la terre. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est événement qui vient pour dérouler et y arriver certainement. Mais question que nous avons pour poser à soi, puisque nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église et du retour prochain, comme nous chantons dans le chant d'espérance là, du ciel bientôt,
Jésus-Christ va revenir. Donc, qui moun, qui catégorie de moun ou acteur cap involve? D'abord, le Christ a gagné pour enlever l'Église. Who will be involved in the rapture? Eh bien, mes frères, premier moun qui involve dans l'enlèvement l'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même même. Nous lisons ça déjà dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Deuxièmement, on va aller la dernière 1 Thessaloniciens 4 le verset 16. Et deuxièmement, l'autre personnage qui a gagné pour involve. Verset 16 dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Alors, il dit, deuxième monde, nous sommes involve dans le mouvement, ça, gagnons un archange. Un pile théologien estimé que c'est Michael. Michael, et si vous allez dans Jude, chapitre 9, dans Daniel 12, verset 1er, Michael, c'est un archange que lié. Donc, quand on regarde Jude 9, Jude 9, elle dit Jude, tu as gagné deux chapitres. Jude, son seul chapitre que lié gagné. C'est ça qui fait que il y a seulement 12 Jude et puis verset 9. Jude, verset 9. Il dit, or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, l'archange Michel, c'est un archange que lié. Et bien, regardez-moi comment Daniel parlait de Michael. Michael, là, c'est mot anglais, hein, mais terme mot français, c'est Michel. C'est Michel. Donc, mais parfois, nous utilisons Michael là, dans le langage français courant, etc. Pas de problème pour faire entremêler l'angyo pour croiser l'angyo. Ok, nous sortis dans Ézéchiel, nous parlons dans Daniel, chapitre 12. Nous parlons dans Daniel, chapitre 12, verset 1er. Nous avons demandé d'ouvrir la Bible nous, pour nous cacher ce texte avec nous. Il dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, avec un texte saillot, plus théologien quoi que yo a parlé de Michael qui gagne pour involve pour sonner trompette là, la voix d'un archange, pas dit cap sonner trompette là, mais la voix d'un archange, et bien sûr c'est cap sonner trompette là, au son de la trompette retentissante, et archange Michael a gagne pour sonner trompette là, exactement, c'est ça. Donc nous croyons que après Jésus-Christ, Michael a dûment entrer dans mouvement enlèvement l'église là. Et qui l'autre monde encore catégorie de monde ou bien personnage
on va dûment involve dans l'enlèvement l'église là, eh bien nous va le c'est tout chrétien qui mourit en Christ. Tout chrétien qui mourit dans Jésus-Christ et il va participer dans événement ça. 1 Thessaloniciens 4 que nous te lis pour même verset 16 et 1 Corinthiens 15 verset 52 nous sortent li texte ça yo. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous tous nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc si nous gardons d'autres textes tant qu'au 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5 à nous garder 2 Corinthiens 5 n'a commencé l'île dans verset 1er même nous va lire 2 Corinthiens chapitre 5 n'a plus pour même 2 Corinthiens chapitre 5 nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revertir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vertus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revertir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, moun qui mourit dans Christ, donc yo gagnent pour yo participer comme moun qui pour aller à la rencontre du Seigneur qui a participé dans le mouvement enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et il y a une autre catégorie de monde qui vient pour participer, qui involve, c'est nous-mêmes qui vivons, qui croyons en Jésus-Christ, qui fait effort, qui souffre tant que Jésus-Christ. Il y a un monde qui est dans l'église, qui fait bruit, qui fait scandale, qui fait affaire personnelle, qui fait campagne politique. Des hommes qui ont la Bible dans la main, mais qui a servi bon Dieu en pied en dedans et en pied dehors. Des hommes magiciens passés ou pas gagnés. Mais Bible nan main yo sous chè. Cravate nan cou. Sans avoir de la honte et de la crainte de Dieu. Dans cérémonie d'habitation. Dans cérémonie nan kafou. Ils n'ont fait magie. Ils n'ont des pratiques occultes. C'est pas eux-mêmes. Ils pas même tendre son trompette là. Lèvement l'église, les saints, ils pas la donne. Ils vont arrêter puis ils vont souffrir période de la grande tribulation. N'est qu'à faire l'église tourner campagne politique. Moun ki an dans l'église, yo pa pralé participer nan événement sa. Moun ki fait politique sale, si m pareye en met, m'ap gâté jouet lan.
diakonès qui a fait des ordres, m'a fait des gars en dans l'église, si m'a pas chef. Ici c'est moi pour commander. Ça fait l'église pas aucune puissance jodi an. Parce que trop vacabon et trop bandit. Satan le diable voye yo en dans l'église. Donc si le Christ vous a franchi, c'est réellement libre et c'est ça qui bat nos libertés. On va prêcher l'évangile pour faire moun plaisir. Pour faire que moun content. Si nous avons cherché position dans l'homme, nous avons parlé de Voltaire. Nous avons écrit même 50 pages de littérature, mélange avec théologie, avec philosophie. Nous avons parlé de la psychanalyste, de la psychanalyse. Bagaille pour faire corps content. Et bagaille qui vous a fait pour applaudir. Mais nous avons seul intérêt. C'est intérêt de défendre la cause de Christ. Donc, à donc, sur un même, sous par un même. M'a une mission pour m'attirer pour mon même. Mais nous avons une mission parce que nous avons une mission. Comme on appelé par Dieu. Pour nous prêcher l'évangile. Jean bon Dieu voulait pour nous prêcher l'an. Mais pas Jean que l'homme. Mandé pour nous prêcher. Moun qui pral dans ciel pas bataille pas goumé pour place en dans l'église. C'est moun qui a prêté sous la terre qui pas gen espérantiel qui même pral devant baron pour te non petite bon Dieu. Puis on fait macacri. Puis on fait magie. Pour conserver une place l'église. Prière nous c'est pour repentir. Et si vous pas repentir, la main de Dieu gain pour mettre main gain pour poser dans ceinture. Car il y a trop désordre. Trop bataille. Trop goumet en dans l'église qui se sont trop mettre dame. Trop bakoulou en dans l'église. Mais bon Dieu gen tan ba ou mon pièce. Job 5, verset 12. Il dit nous l'Éternel anéanti les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Donc, mes frères, nous d'abord, bon, vous prenez pour nous, qui moun? Catégorie de moun kap envolve? Jésus-Christ. À peine Wolf comme acteur dans l'enlèvement de l'église. L'archange, la voix d'un archange, la voix d'un archange, comme beaucoup plus de théologiens pensaient que c'est Michael. À peine Wolf, chrétien qui vivant. Chrétien qui vivant, y a peine Wolf. Chrétien qui mourit, à peine Wolf. Nous citer là quatre entités. Et dans le dernier groupe là. Si moun, si bébé, qui est vivant, qui est mourit. Qui pa gen l'âge de responsabilité, l'âge de décision, y a pas enlevé. Ti moun, enfant, et surtout sa yo, qui fait mentalement malade, ti moun qui fait sans bouen, qui dépend de moun qui pou fait tout bagay pour eux-mêmes, y a enlevé. Moun ki pa gen sens pour reconnaître le bien et le mal. Moun ki fait tout tête pas là. M pa konn non c'est de
maladie pour m'ta di ou yo. Mais ou comprendre qui ça n'a pas là. Tout monde qui fait et qui fait cocobé dans l'esprit yo et qui pas gain connaissance, qui pas jamais gain sens de responsabilité pour consacrer l'évangile, fait bien fait mal, y a enlevé. Y a enlevé certainement son lot étude. Moun sa yo pa pral gen récompense que nous-mêmes qui te travaille a gagné mais y a enlevé tout monde qui pas arrivé dans l'âge pour capable vraiment responsable pour prendre décision pour vraiment connaître le bien le mal donc tout petit monde dans bazay sa yo qui pourquoi connaît même ça que le bien et le mal. Donc il a enlevé dans moment ça pour aller à la rencontre du Christ immolé. Mes frères, le retour de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ est certain. Et comment Jésus a venu, qu'il est la vini nous pas gain l'heure pour ce qui est des temps et des moments. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Nali 1 Thessaloniciens 5 verset 1 à 3. Mais malheureusement mes frères, nous voulons finir pour nous dire ça. Il y a un vagabond. Il y a un vagabond dans le temps passé yo. Qui est le Charles Taze Russell. Si on appelle en français Charles Taze Russell. Un jeune garçon qui fait un protestant. Et à l'âge de 18 ans, il a quitté l'église protestante. Il a formé un groupe études bibliques. Il a relé le pasteur. Bagay qui compte la Bible, qui n'a pas aucune formation théologique. C'est bandit ça qui formait l'association des témoins de Jéhovah et qui était bayon gros menti dans l'histoire, qui dit Jésus-Christ a retourné en 1874. C'est un gros faux prophète. Charles Taze Russell. Le Jésus-Christ a retourné en 1874. Fondateur groupe témoins de Jéhovah l'a redaté retour en 1914. Et le Jésus-Christ a retourné, il a un gros menti. Il dit Jésus-Christ est retourné de façon invisible. Jésus-Christ est retourné de façon invisible. À dire, pour les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ retourné déjà. Donc ça, c'est un gros menti. Et cet homme qui fondait la société Watchtower, qui a fondé témoins de Jéhovah, et c'est un groupe qui ont enseignement complètement faux et contraire à la Bible. Peut-être dans une étude spéciale sur eux-mêmes, on a montré un peu l'erreur qu'ils ont fait. Ils ont rejeté la divinité de Jésus-Christ et ils ont même compromettre les promesses du retour prochain de Jésus-Christ. Donc, mes frères, pas quitter aucun témoin Jéhovah vient entrer la carte deux par deux pour venir dire que Jésus-Christ est retourné déjà. Il vient retirer
dans la sainte doctrine, le retour de Jésus-Christ est certain, est véritable. La fête, parce que Jésus, c'est lui-même qui dit moins par aller et m'a retourné. Donc, mes frères, comme l'apôtre Paul lui dit, consolez-vous. Nous même qui avons souffert, consolez-vous. Consolez-nous, car bagay ou pas prêté comme ça. Faut que ça a changé. Et notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Donc, en nous, mettez tête nous pour nous prier, bon Dieu, pour permettre que, pour demander, bon Dieu, pour permettre que enseignement ça yo qui fait sur sa deuxième venue capable tomber comme une semence dans cœur si là qui dans l'église qui fait méchanceté et qui sans foi ni loi et souhaiter tout monde qui fait mal on doit prier même tout monde qui fait mal que soit dehors, que soit prédicateur, que soit pasteur, on nous garde actualité en jodia. Et les mains relaient Anel Joseph là, un homme chef gang qui te dit le tout puissant. Il veut dire le pouvoir par son président. Et bien jodia, il y a un barcode. Il prend balle. Quand tu vois dans une situation où prend balle dans pied ou pas qu'un docteur pour soyo bien elle réussit pas qu'à résister là dans l'hôpital bonne fin donc il mettait main sous lui donc malio il gon côté à bout attention pour mal là pas faire la dernière sous Seigneur nous merci pour grâce ou. Merci pour bonté, merci pour émission ça, moment du salut de la première église baptiste haïtienne de Boston. Malgré les difficultés, malgré les tracas, malgré les douleurs, malgré les déceptions, mais nous crier et bénézer jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Nous merci pour ta fidélité. Ô notre Dieu, en regardant en arrière, nous constatons que tu es réellement grande en fidélité. Oh, si tu n'étais pas notre secours, notre âme serait bien vite à la demeure du silence. Nous crions, béni soit Dieu le Père, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseaux. Bénis ton peuple. Bénis les auditeurs, bénis les téléspectateurs, bénis les internautes ou notre Dieu. Que parole sa yo capable pénétrer, tréfond cœur yo. Ceux qui ne te connaissent pas ou notre Dieu, capable prendre la décision pour soumettre, remettre la vie à eux-mêmes. C'est la grâce que nous te réclamons. Te prions au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'était un plaisir pour nous être avec vous. Moi, remercier nous tout le temps qui t'a coûté nous. Nous remercier nos frères, les Lamar, Hugues, Junior, Davidson, nos metteurs en onde. Et nous souhaiter que nous toutes capables passer une très bonne nuit sous le regard du Très-Haut. À la semaine prochaine.